La pieuvre noix de coco, elle, ne s'est pas changée d'apparence. Cette sole la traque. Elle attend un moment d'inattention pour pouvoir attaquer. La pieuvre se réfugie dans une coque de noix de coco. Elle transporte toujours son abri avec elle. Mais elle n'aime pas faire les choses à moitié. Alors elle cherche de quoi compléter sa coque. La pieuvre noix de coco manie les coques avec beaucoup d'adresse. À ce jour, on ne connaît pas d'autres invertébrés capables de se servir d'un outil. Sa cachette est au point. La pieuvre peut retourner se nourrir. La sole est toujours à l'affût. La pieuvre va s'enfermer dans sa coque. Ce n'est pas seulement une forteresse, c'est aussi un moyen de prendre la fuite. Le jeune céphalopode a roulé la sole. Il est sain et sauf.